Une nouvelle saison, les cieux sont ouverts, la matinée est ouverte pour nous afin que nous puissions faire les déclarations. Le ciel est prêt à nous entendre. Ce sera une semaine excellente et grande et une saison de témoignage dans ta vie. Partout de là où tu nous rejoins, prépare-toi pour que cette semaine soit une semaine bénie. En cette semaine, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Nous allons attaquer l'affliction. Les afflictions qui ont persisté pendant toute la semaine. Chaque jour, nous allons tailler et briser les murailles de l'affliction jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Avez-vous une fois vu quelqu'un qui a pris un marteau et qui essaye de briser, de tailler en pièces un grand rocher? Il tape et il continue à taper. Et c'est un dernier coup de marteau, c'est là que le rocher se brise. Vous savez quoi? Ce n'est pas le tout dernier coup de marteau qui a taillé en pièces ce rocher, mais c'est le fait d'avoir frappé continuellement. Donc, nous venons contre toute affliction, toute chose qui s'est élevée contre toi, toute chose qui a fait l'erreur de venir combattre ta famille. Tu vas témoigner. Le Satan aime rendre les Écritures comme si, où tu te poses la question, est-ce que cela va s'accomplir? Il pense rendre invalides les promesses de Dieu, mais il ne réalise pas qu'une fois Dieu a parlé, mais deux fois j'ai entendu que la puissance appartient à Dieu. La puissance de Dieu ne peut pas être rendue invalide, car sa parole dit dans Nahum, chapitre 1, verset 11, « Qu'imaginez-vous contre le Seigneur? » Il mettra une fin à cela. L'affliction ne se relèvera pas une deuxième fois. Mais l'ennemi, le Satan et ses agents, puisqu'il sait que son temps est court, et aussi parce qu'il veut ridiculiser celui qu'il a chassé du ciel. Donc, il veut donner l'apparence, il veut faire comme si la parole ne s'accomplit pas. Et donc, il lance des afflictions, il répète affliction pendant longtemps. Mais je veux que vous sachiez que tout le temps que ça prie, c'est de même que votre témoignage prendra aussi longtemps et votre percée pendant aussi longtemps. Le démon tient une famille et il ne veut pas laisser. Il met sa main sur un ministère et il cause toutes sortes d'attaques à venir sur ce ministère, toutes sortes d'activités contre le peuple de Dieu. Il veut que tu manges le pain et que tu boives l'eau de l'affliction. Mais je veux que tu saches ce matin que le témoignage t'accompagnera. En parlant du pain et de l'eau de l'affliction, cela est mentionné dans 1er roi, chapitre 2, verset 27. Ainsi parle le roi. Mettez cet homme dans la prison et nourrissez-le du pain de l'affliction et de l'eau de l'affliction. Mais aujourd'hui, je déclare et décrète que le pain de l'affliction et l'eau de l'affliction sont à leur fin dans ta vie au nom de Jésus. Dieu te donnera un grand témoignage. Il va se montrer comme un Dieu puissant dans ta vie. La saison est arrivée, le temps est arrivé pour que tu expérimentes la grâce de Dieu, la main de Dieu et la main et les œuvres de Dieu dans ta vie. Les afflictions qui se sont levées maintes fois doivent arriver à leur fin. Elles arrivent à leur fin. Dieu te donnera la victoire et un témoignage hors de commun. Tu verras la main de l'Éternel et tu verras la gloire du Seigneur agir dans ta vie. Rien ne pourra l'arrêter au nom de Jésus. Les Écritures nous font comprendre que l'affliction est comme un arbre que le Père n'a pas planté. Ça doit tomber. Matthieu 7, verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. Et tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie, nous le déracinons pendant cette semaine. Nous allons rester sur cette affaire et sur ce fait. Nous allons demander jusqu'à ce que notre joie soit parfaite. Nous allons rester jusqu'à ce qu'il y ait un témoignage et qu'il y ait la victoire dans ta maison. Dans Matthieu 15, 13,
Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Préparez-vous parce que le Seigneur te donnera la victoire. Le Seigneur te donnera le témoignage. Dans Jérémie 10, versets 17 et 18, ça dit également, « Pays ce qui t'appartient, toi qui es en assise dans la détresse. Car ainsi parle l'Éternel, voici cette fois je vais lancer au loin les habitants du pays. Je vais les serrer de près afin qu'on les atteigne. » Dieu va amener une détresse contre l'affliction dans ta vie. Il va amener l'affliction à sa fin. Il te donnera un témoignage. La main du Seigneur sera puissante dans ta vie. La main du Seigneur sera grande. Notre victoire vient par le sang. Apocalypse 12, 11. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par leur témoignage. Jésus a déjà payé le prix. Son sang précieux sur la croix du calvaire est la raison. Écoutez, la croix du calvaire était une démonstration publique de ce qui s'est déjà arrivé auparavant. Jean a dit l'agneau de Dieu qui a pris le péché du monde depuis la fondation du monde. À la fondation du monde, le sang avait déjà coulé pour ta victoire. Donc, il y a la puissance dans ce sang et il y a l'autorité dans son nom. Donc, quand nous venons par le sang, nous avons la victoire. Quand nous venons par le nom, Philippiens 2, versets 9 et 10, nous avons la victoire. Rien ne peut tenir devant le nom. Donc, Satan et ses afflictions doivent se préparer à faire leur bagage. Même avant la fin de cette semaine, de grandes témoignages, de grandes victoires, de grandes faveurs vont accompagner. Philippiens 2, 9, car Dieu l'a exalté, il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et écoutez, ce qui va confesser que Jésus est Seigneur, la Bible dit, ce sont les choses qui sont dans le ciel, les choses sur la terre et les choses en dessous de la terre. Donc partout où ils se cachent, nous amenons l'onction contre eux et nous reprenons notre victoire et nous reprenons notre témoignage au nom de Jésus. Donc préparez-vous. La victoire vous accompagnera, le témoignage vous accompagnera. Cette saison sera la meilleure saison de votre vie. Gloire, gloire, gloire et gloire. Père, nous nous réjouissons en avance. Nous te rendons la gloire pour tout ce que tu as fait dans le passé, pour les guérisons, pour les miracles, pour les réponses aux prières, pour nous avoir gardés vivants, pour nous avoir amenés à nous réjouir. Nous te bénissons parce que tu es un bon Dieu. Nous te remercions pour ta main étendue, pour ta grâce qui a été étendue dans notre vie. Merci pour avoir réduit aussi silence le Satan pour nous. Merci car lorsque l'ennemi est venu comme des torrents d'eau, tu as élevé un standard contre lui. Merci Seigneur parce que nous sommes capables d'être debout dans l'assemblée de tes saints et nous vanter de ta grande, ta puissance et ta grâce. Nous nous réjouissons aujourd'hui parce que nous sommes comptés parmi les bénis, comptés parmi les vivants, comptés parmi ceux qui ont la faveur. Nous te bénissons et nous voyons que ce n'est que par ta grâce que nous sommes ceux que nous sommes. Ce n'est que par ta grâce que nous avons atteint là où nous sommes. Ce n'est que par ta grâce que nous sommes arrivés jusque-là. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois l'adoration. Sois glorifié, ô notre Dieu. Sois honoré, toi, notre Dieu. Et ce matin, maintenant que nous venons devant toi, nous te remercions parce qu'en avance, avant même que nous mentionnions toutes les différentes afflictions, le ciel se réjouit déjà avec nous. Nous te rendons la gloire parce que nous avons déjà le témoignage. Psaume 34, 19. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Dieu lui en délivre d'elles toutes. Elles toutes. Toute personne connectée avec nous à cet hôtel de prière, toute personne connectée avec nous en cette saison d'attente auprès du Seigneur, toute personne connectée avec nous en cette gloire matinale, bienvenue. De partout sont venues les afflictions, nous les retournons d'où est-ce qu'elles sont venues. Dieu te donnera la délivrance, Dieu te donnera le témoignage. Dieu te donnera des raisons pour le magnifier. Dieu te donnera des raisons pour l'exalter. En toute affliction, quelle que soit l'affliction, peu importe de là où elles sont venues.
Nous déclarons et décrétons toute affliction. Le Seigneur te délivre de toutes ces afflictions. Tu vas regarder en arrière et tu ne les verras plus. Nahum 1:1. Pourquoi imaginer? Qu'est-ce que vous imaginez contre l'Éternel? Il amènera toutes choses à sa fin. L'affliction ne se relèvera pas une deuxième fois. Ce sur quoi tu as eu la victoire restera comme ta source de victoire, une source de témoignage au nom de Jésus. Nous déclarons en ce jour que tu as la victoire, que tu as le témoignage et rien ne peut le retourner. La victoire de l'Éternel dans ta vie est affermi au nom puissant de Jésus. 2 Corinthiens 4:17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La Bible l'appelle de légères afflictions comparées à un plus grand poids de faveur, un plus grand poids de gloire qui arrive. Malgré tout ce que tu traverses, nous déclarons aujourd'hui que ce sera changé en un poids éternel de gloire et de faveur, un poids éternel de témoignage. La parole que l'ennemi a dit sur tes enfants qui ne vont pas terminer leur éducation, le ciel te sourira et la faveur viendra. Le diable qui a dit que le ciel ne s'ouvrira pas, la faveur viendra, la faveur t'accompagnera, la gloire viendra, le témoignage viendra. En ce jour, je déclare et je décrète que le Seigneur lui-même va se montrer comme un Dieu puissant dans ta vie. La déclaration est faite dans ta vie aujourd'hui sur le témoignage de Jésus-Christ. Il sera grand, il sera puissant, il sera glorieux, il sera grand, il sera puissant, il sera glorieux, il sera puissant. Ecclésiaste 7:7. L'oppression rend le sage insensé. Et les présents détruisent le cœur. Toute oppression qui va t'amener à mal te comporter, toute oppression qui va t'amener à agir comme un insensé, toute oppression, toute affliction qui va t'amener à prendre la mauvaise voie. Aujourd'hui, nous amenons ta victoire au nom de Jésus. Dans la saison de l'affliction, les gens disent ce qu'il ne faut pas dire. Ils commencent à questionner le Seigneur. Ils commencent à questionner la grâce de Dieu. Ils commencent à questionner sa faveur. Ils oublient tout ce que Dieu a fait auparavant. Père, si nous, là où nous l'avons fait, nous te demandons pardon. Nous nous prosternons devant toi. Là où nous avons questionné ta fidélité, nous avons questionné ta bonté, parce que nous ne voyons pas tout ce qu'il faut voir. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous avec ton sang. Nous nous prosternons devant ton trône. Nous ne sommes pas qualifiés pour te questionner, ô Dieu souverain. Donc, nous venons devant toi et nous déclarons que nous aurons la victoire sur toutes sortes d'afflictions dans le nom de Jésus. Psaume 7, verset 9. Que la méchanceté du méchant arrive à sa fin et établit le juste, car le Dieu juste éprouve les cœurs. Toute affliction du méchant qui est venue contre toi arrive à sa fin. Nous invoquons le sang de l'agneau contre toutes les armes de Satan. Nous invoquons le sang de Jésus contre toutes les armes qui sont venues contre nous. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous déclarons ce matin notre victoire, notre témoignage, notre victoire. Nous invoquons ce matin notre victoire, notre témoignage au nom de Jésus. Exode 1:12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Je prophétise dans votre vie aujourd'hui que cette affliction à laquelle vous faites face vous poussera à une plus grande productivité, à un plus grand témoignage. Tout domaine de ta vie où l'ennemi a placé son doigt et il met la pression. La pression amènera ton plaisir. La pression amènera ton plaisir. La pression amènera ton plaisir, ton progrès. La pression amènera ton témoignage. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Je déclare aujourd'hui, ce matin, partout où tu es et tu nous as rejoints, ceci devient ta saison de témoignage, ta saison de faveur. Je déclare ce matin que Dieu change ton histoire, il change ton histoire, il change tout ce à quoi tu fais face au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que ce jour est le jour que le Seigneur a fait dans ta vie, tu te réjouiras et tu seras dans l'allégresse. Exode 3, verset 7. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu voit cette affliction, et il y mettra fin. À partir de ce jour, toute affliction, toute chose qui s'est élevée contre toi deviendra un témoignage majeur dans ta vie, un grand témoignage, dans ta vie, au nom qui est au-dessus de tous les noms, un énorme témoignage dans ta vie. Psaume 25, versets 16 et 17. Psaume 25. 16 et 17. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Père, nous venons devant toi, tout ce qui a ouvert la porte aux afflictions, tout ce qu'on a fait, qu'est-ce que soit ce qu'on a fait qui ne t'a pas honoré, tout péché, toute iniquité, toute transgression, nous venons devant toi pour la purification de ton sang, et être lavé par ton sang. Nous nous repentons, nous te demandons pardon. Père, nous ne pouvons aller chez personne d'autre si ce n'est que toi, car tu es notre Père, nous te demandons que tu nous purifies. Et ce matin, nous prophétisons que nous sortons de toute désolation et de l'affliction dans un lieu de témoignage. Nous sortons de toute désolation et affliction pour entrer dans un lieu de témoignage qui est hors du commun. En ce jour, la main des oppresseurs est brisée, leur affliction est brisée, la douleur est brisée. Ceux qui s'attendent à recevoir de mauvaises nouvelles recevront des témoignages. Ceux qui s'attendent et célébrer notre échec, mais ils entendront parler de notre victoire, car nous allons de gloire en gloire en gloire. Cette année terminera avec le meilleur témoignage que nous ayons donné dans le passé. Le meilleur témoignage que nous ayons donné. Le meilleur témoignage que nous ayons donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Psaume 119, verset 107. Psaume 119, verset 107. Je suis affligé. Redonne-moi la vie selon ta parole. Par la parole de Dieu, nous nous adressons à toute flèche d'affliction. Nous détruisons les flèches de l'affliction. Nous amenons la parole de Dieu contre toutes les flèches de l'affliction. Nous maudissons les flèches de l'affliction. Nous les détruisons. Vous, flèches d'affliction, quel que soit votre type, votre genre, nous prenons autorité sur vous aujourd'hui. Nous vous détruisons. Nous brisons votre emprise. Avant la fin de cette semaine, quelqu'un aura un témoignage hors de commun, inhabituel. Même dans le confinement, les portes seront ouvertes, la faveur coulera. Les portes s'ouvriront et la faveur coulera. Les portes s'ouvriront et la faveur coulera. Les portes s'ouvriront et la faveur coulera. Job 36, 15. Il délivre l'indigent dans son affliction et il ouvre leurs oreilles dans l'oppression. Au milieu de cette affliction, tu vas avoir un témoignage qui est hors du commun. Nous le déclarons aujourd'hui, nous le prononçons aujourd'hui. Toute personne connectée
à cette saison d'attente auprès du Seigneur. Nous disons que dans la pauvreté de ta situation, nous prophétisons aujourd'hui que la puissance de l'affliction est brisée. La puissance de l'affliction est brisée. Et l'arme de l'oppresseur se retourne contre eux. L'arme des oppresseurs se retourne contre eux. La victoire appartient à Jésus. La victoire dans ta maison, le témoignage dans ta maison, la gloire dans ta maison, la puissance dans ta maison. Ceci est la saison de changement inhabituel et hors du commun. Le joug de l'affliction, l'arme de l'affliction est brisée. L'emprise de l'affliction sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Job 36, 15, nous le déclarons une fois de plus. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. La pauvreté ici peut être pauvre en esprit, l'humilité, quelque chose qui t'a humilié, qui t'a amené à te baisser, à pleurer. Dieu essuiera tes larmes. Dieu te fait rire. Dieu t'amène à célébrer. Quelqu'un pense que ceci est ta fin, mais ce sera ton début. Quelqu'un pense que les chapitres de ta vie sont arrivés à la fin, mais Dieu ouvrira de nouvelles portes. Dieu ranime ta percée et ta faveur au nom de Jésus. Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, verset 9. Dans toute leur affliction, il a été affligé. Et l'ange de sa présence les a sauvés. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés. Et il les a soutenus constamment et portés aux anciens jours. Ésaïe 63, 9 décrit Jéhovah. Quand son peuple était affligé, il était affligé avec eux. Et l'ange qui est devant sa face leur a dit et a dit, vous n'êtes pas un homme, tu n'es pas seul Dieu avec toi. Quelqu'un qui t'a regardé d'en haut, qui a regardé à ton apparence physique, il a regardé à tes circonstances, ils ont cru qu'ils pouvaient t'opprimer. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève. Toute personne qui a étendu son doigt, qui a pointé son doigt contre toi et ta destinée va se rencontrer avec la puissance de Jéhovah. Toute personne qui t'a pointé de doigt contre l'appel de Dieu sur ta vie aura à faire face à la puissance de Jéhovah. En cette saison de ta vie, les cieux s'ouvriront d'une manière que tu n'as jamais connue et tu verras le doigt de Dieu, tu verras la gloire du Seigneur, tu verras la puissance et le témoignage de Jésus-Christ. La victoire t'accompagne. Dieu combat pour toi. Il prend la bataille. Il combat pour toi. Il prend cette bataille au nom de qui est au-dessus de tous les noms. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Il te donne la victoire. Il te donne le témoignage. Il te donne la victoire. Il te donne le témoignage. Osée chapitre 5, verset 15. Je retournerai à mon lieu jusqu'à ceux qui se rendent compte de leur offense et qui me recherchent ma face dans l'affliction. Ils me chercheront tôt. Selon ta parole, ô Seigneur, nous te recherchons tôt. Nous venons devant toi, ô Père. La toute porte que nous avons ouverte par laquelle l'affliction est venue, nous te demandons pardon, nous te demandons de nous purifier. Toute chose que nous avons fait qui ne t'a pas honoré, nous venons devant toi et te demandons pardon et demandons que tu nous purifies. Nous te demandons pardon et demandons que tu nous purifies. Nous nous prosternons devant toi. Nous te demandons pardon et demandons que tu nous purifies. Psaume 119, verset 167. Avant, j'étais affligé et je m'étais égaré. Mais maintenant, j'ai gardé ta parole. Avant d'être affligé, je m'étais égaré. Mais maintenant, j'ai gardé ta parole. Père, encore une fois, toute porte que nous avons ouverte par laquelle l'affliction est venue, nous nous repentons devant toi en te demandant pardon et te demandant que tu nous purifies au nom de Jésus. Ésaïe 48, 10. Voici, je t'ai raffiné, mais pas comme l'argent. Je t'ai choisi dans la fournaise de l'affliction. Cette affliction
aboutit aura comme résultat que tu deviendras précieux, un métal précieux, tu deviendras de l'or précieux. Cette affliction ne te laissera pas comme tu étais. Tu vas t'élever, tu seras glorieux. Ton témoignage tiendra, sera ferme, ta vie sera grande. Partout où tu iras, on verra la marque de la bonté de Dieu. Tu seras une femme qui a été préparée par Dieu, un homme préparé par Dieu. Tu sortiras plus fort, meilleur, plus grand dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais la même personne. Quand ce confinement arrivera à sa fin, tu seras plus fort et meilleur et plus grand. Ta vie de prière sera plus grande. Ta vie sainte de piété sera plus grande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Psaume 119, verset 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes et que dans ta justice, tu m'as affligé. Père, encore une fois de plus, toute chose qui ne t'honore pas que nous ayons fait, nous venons devant toi et te demandons pardon, demandant que tu nous purifies. Nous nous prosternons devant toi en toute humilité. Nous ne déclarons pas notre propre sainteté, mais nous disons que toi seul es bon, toi seul es saint. Nous ne pouvons qu'invoquer ta miséricorde et ta grâce. Nous invoquons ta miséricorde car nous savons que dans ta miséricorde, il y a le jugement, dans ton jugement, il y a la miséricorde. Il ne peut pas avoir de miséricorde sans jugement. Si tu n'avais pas jugé sur le mont Calvaire, il n'y aurait pas de miséricorde. Si nous demandons la miséricorde sans que tu aies jugé, c'est qu'il n'y a pas de miséricorde. Tu l'as déjà jugé, tu l'as déjà cloué à la croix. Et puisque c'est cloué sur la croix, le jugement a pris place, donc le jugement doit apparaître. Seigneur, que la miséricorde coule dans la vie de ton peuple ce matin. Partout où ils sont connectés avec nous, en ce jour, nous déclarons et décrétons que ta miséricorde coule dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. L'affliction, c'est la douleur, c'est la souffrance et la détresse. J'impose les mains sur toi partout où tu es. Cette douleur quitte, cette douleur, cette souffrance, cette détresse, cette chose qui peine ton cœur et qui te brise et qui t'amène à traverser une vallée terrible. Je déclare que tu sors de cette douleur, cette détresse. Le ciel t'entend, le ciel essuie tes larmes, le ciel t'entend et essuie tes larmes. L'affliction, c'est les troubles, les difficultés et la mauvaise fortune, tout lieu que tu traverses en ce moment, c'est ce moment de difficulté en cette saison où nous crions à l'Éternel, tu entres dans un lieu de plaisir, un lieu agréable. Psaume 66, 12, tu nous as fait passer dans l'eau et dans le feu, mais tu nous as sortis pour nous amener dans un lieu riche et agréable. Ce matin, je déclare dans ta vie que tu entres dans ce lieu de richesse, dans un lieu de célébration et de témoignage au nom de Jésus. L'affliction, c'est l'infortune. Toute infortune qui t'est arrivée, nous la retournons et changeons en fortune. Nous la changeons et retournons en fortune. L'affliction, c'est l'adversité, la calamité et le chagrin. Toute chose qui t'amène le chagrin dans ton esprit, qui accable ton esprit et qui t'amène à être dans une détresse perpétuelle. Je verse l'huile de Dieu sur ta tête. Je verse l'huile de Dieu sur ta tête et je te oins avec l'huile de l'allégresse au-dessus de tous tes frères. À partir de ce jour, tu marches dans la joie, tu marches dans la grâce, tu marches dans la faveur, tu marches dans le témoignage. L'affliction, c'est le chagrin, la méchanceté et la tristesse. La puissance de ces choses sont brisées de ta vie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'affliction, c'est la tribulation, c'est le malheur et c'est le mal. Toute tribulation qui vient de trois endroits, qui vient de parts et d'autres. Aujourd'hui, nous mettons fin à cela. Nous traçons la limite avec le sang de Jésus. Nous traçons la ligne de limite avec le sang de Jésus et nous déclarons ta victoire. Nous déclarons la ligne de limitation avec le sang de Jésus. Nous déclarons ta victoire au nom de Jésus. L'affliction, c'est avoir un handicap. Tu veux avancer, mais tu ne peux pas bouger. Tu veux faire quelque chose, mais tu ne peux pas bouger. L'argent est un handicap. Les
les rêves sont un handicap, les situations dans lesquelles tu te retrouves deviennent un handicap, ce confinement devient un handicap. Je prophétise sur ta vie que tu sors du lieu, de tout lieu d'affliction, et tu entres dans le lieu de témoignage, le lieu de gloire, et dans un lieu de faveur. Tu entres dans un lieu de la main puissante de Dieu, dans un lieu de la grandeur de Dieu. Je déclare aujourd'hui. Tu vas témoigner, tu témoigneras au nom de Jésus. L'affliction ne respecte pas ton lieu géographique. Les riches ont leur affliction, les pauvres ont leur affliction, la classe moyenne ont leur affliction. Tout ce qui t'a rencontré là où tu es et qui afflige ton esprit et qui te met une douleur et une tristesse perpétuelle, je déclare la paix dans ta vie, la paix dans ta maison, la paix dans ta situation. Je déclare aujourd'hui que ta situation change. Ce que la pauvreté a emmené, nous brisons sa puissance. Ce que la tristesse a amené dans ta maison a emmené, nous détruisons sa puissance. Ce que le chômage a amené dans ta maison, nous brisons sa puissance. Ce que les hommes qui ne t'aiment pas ont amené dans ta maison, nous détruisons sa puissance. Ce que le chagrin et la perte ont amené dans ta vie, nous brisons sa puissance. Ce que la tristesse, où tu penses, oh mon Dieu, de toutes les personnes, pour qu'est-ce que moi je dois traverser ceci? Aujourd'hui, je détruis cette affliction. Je détruis cette affliction et je déclare ta paix. Je prononce ta joie. Je déclare ta paix. Je déclare ta joie. Il y a l'affliction qui vient de l'histoire de ta famille. Tu n'as pas choisi de quelle famille tu es venu. Donc aujourd'hui, nous déclarons et nous décrétons que le ciel t'élève au-dessus de l'affliction de la maison de tes pères. Dieu t'élève au-dessus des limitations de la maison de ton père. Dieu t'élève au-delà des limitations de la maison de ton père. Le ciel t'élève, le ciel t'élève. Au-delà des limitations dans lesquelles tu t'es retrouvé, le ciel t'élève. Philippiens 2, 9 à 11. Dieu l'ayant exalté, il a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent de toutes choses dans le ciel, toutes choses sur la terre et tout ce qui est en dessous de la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom que la mort a vu et a pris la fuite, les montagnes ont tremblé, tremblent devant le nom qui a pris les clés de l'enfer, le nom que Satan entend et il se prosterne, le nom qui fait trembler les portes de l'enfer, le nom de Jésus. Je le déclare dans ta situation et je commande un changement. Il y a quelque chose dans ce nom. Il y a un poids, il y a l'autorité, il y a la puissance dans le nom. À partir d'aujourd'hui, le changement que tu ne peux même pas imaginer, il t'accompagne dès aujourd'hui. Le changement que tu ne pouvais pas imaginer t'accompagne et se réalise aujourd'hui. Je commande à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, un changement divin, un retournement divin, un retournement hors de commun, je le déclare par le nom de Jésus. Les portes sur lesquelles tu frappais commencent à s'ouvrir. Elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Là où tu as frappé il y a de cela 3 ans, ces portes s'ouvrent. Là où tu viens de toquer, elles s'ouvriront ces portes. Elles s'ouvrent. À partir d'aujourd'hui, le témoignage remplit ta bouche au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Il y a certaines personnes, le Seigneur attend et les permet de passer par le feu, la fournaise de l'affliction à cause de, pour avoir la beauté qu'il veut manifester dans leur vie. Ésaïe 8, 10, voici, je t'ai raffiné, mais pas comme de l'argent. Je t'ai choisi dans la fournaise de l'affliction. Père, nous te remercions pour ce que tu accomplis dans notre vie. Et nous disons aujourd'hui que ton conseil s'affermisse et que ta volonté s'accomplisse. Nous te remercions parce que tu ne nous tenteras pas et tu ne vas pas nous éprouver au-delà de ce que nous pouvons supporter. Tu ne vas pas amener sur nous ce que nous ne pouvons pas porter. Tout ce que l'ennemi, tout avantage que l'ennemi veut tirer, nous déclarons aujourd'hui, nous venons contre toute chose que l'ennemi Satan veut faire contre nous et nous déclarons la victoire, nous déclarons les témoignages au nom de Jésus. À partir de ce jour, la gloire repose dans notre vie et la faveur repose dans notre vie. Nous déclarons les témoignages. Psaume 119, verset 17. Pour notre égarement, pour s'être éloigné de ton conseil et l'affliction qui a suivi, nous te demandons pardon, nous te demandons de nous purifier. Psaume 119, verset 67. Avant d'être affligé, je m'étais égaré, mais maintenant, j'ai gardé ta parole. Seigneur, nous venons à ta parole, nous restons dans ta parole, nous te demandons pardon. Nous suivrons ton conseil à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Osée 5, verset 15. Par l'affliction que tu as traversée, que le ciel redonne vie à ton rêve, que le ciel redonne vie à ta passion, qu'il augmente ton onction et qu'il fasse de toi un gagneur d'âme. Le Seigneur dit, je retournerai et ils rechercheront mon visage dans l'affliction, ils me chercheront dès le matin. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, redonne la vie à notre passion, redonne vie à notre passion pour les âmes. Fais-nous des gagneurs d'âmes. Amène-nous à aller prêcher l'Évangile, Seigneur, dans ta vigne. Fais de nous des personnes qui donnent leur temps et qui donnent leur talent, qui donnent leur trésor. Enseigne-nous à comment te servir avec tout notre cœur. L'affliction qui est venue par la désobéissance, nous la mettons sous le sang. Nous te demandons pardon ce matin, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et Nahum, chapitre 1, verset 1, je prie encore une fois pour quelqu'un ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous imaginez contre l'Éternel? Il mettra fin. L'affliction ne s'élèvera pas une seconde fois. Je déclare ce matin que pour cette famille, cette affliction ne se relèvera pas. L'ennemi fait tous ses efforts pour la ramener encore, mais je maudis cette chose et je déclare qu'elle ne se relèvera plus au nom de Jésus. Le domaine démoniaque sera réduit au silence. Toute flèche que l'ennemi essaye de ramener, tout problème qu'il veut ramener, cette chose meurt pour toi. Elle meurt pour ta famille. Cette chose meurt pour toi. Elle meurt pour ta famille. La victoire. Au nom de Jésus, tu sortiras fort. Tu ne mourras pas à cause de cette affliction, mais tu sortiras meilleur qu'avant. Tu sortiras plus fort qu'avant. Ta foi sera plus forte qu'avant. Ta confiance en l'Éternel sera meilleure. L'ennemi te dit, égare-toi, éloigne-toi de la volonté de Dieu. Mais à partir d'aujourd'hui, tu deviens une meilleure personne, une personne plus forte. Tu ne vas pas rater ta destinée. Tu ne vas pas rater ta faveur. Tu ne vas pas rater ton appel. Tu ne vas pas rater le ciel. Tu ne vas pas rater ta relation avec Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute affliction qui est venue à cause de l'injustice, je déclare aujourd'hui, elle ne te détruira pas. Psaume 34, 19. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur lui délivre d'elles toutes. Cette affliction est venue parce que tu as choisi cette affliction à cause de la justice, à cause de son nom. Toute affliction que l'ennemi a amenée à cause de ta justice dans le Seigneur, aujourd'hui je déclare ta victoire et ton témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui te haïssent à cause de ton engagement en Jésus-Christ, parce que tu sers Jésus-Christ et pas une autre religion, ceux qui te haïssent parce que tu te prosternes devant Dieu et non pas devant leur Dieu, tous ceux qui te haïssent parce que tu n'as pas choisi leur façon de vivre ou leur mode de vie, mais devant leurs yeux, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Le ciel t'élèvera. Dieu t'élèvera.
au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jacques 5, 13. Dans ton affliction, prépare-toi parce que la promotion arrive. Jacques 5, 13. Y a-t-il parmi vous qui sont affligés, qui prient? Y a-t-il qui soient heureux, qui chantent des psaumes? Au milieu de cette affliction, de bonnes nouvelles viendront. Au milieu de cette affliction, les témoignages t'accompagneront. Ta prière sera exaucée. Ta prière sera exaucée. Ta prière sera exaucée. Elle ne sera pas en vain. Cette affliction ne sera pas gaspillée. Cette affliction résultera, aboutira à l'exaucement de tes prières. Tes larmes seront essuyées. Cette saison de l'affliction aboutira à voir l'inquiétude retirée de ta vie, de tes épaules. Elle aboutira à la puissance de la sorcellerie brisée pour toi. Cette saison d'affliction aboutira à tes yeux qui seront ouverts pour le Seigneur. Pas sur quelque chose d'autre, mais tu te donneras de témoignages hors du commun au nom de Jésus. Cette affliction à laquelle tu fais face produira la grâce. Ceux qui se réjouissent et qui pensent que ce voici son enterrement, mais viendront à ta résurrection. Premier Pierre 5, 13, « Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous rendra parfait, vous établira, vous fortifiera et vous établira. Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés dans sa gloire éternelle par Jésus-Christ, qui a été avec toi et après que tu aies souffert un moment, te rendra parfait. T'affermira, t'établira. Et donc ce matin, je prophétise dans ta vie que de cette fournaise de l'affliction viendra ta perfection, ton perfectionnement. La perfection ici est taratizo en grec, qui veut dire rendre mature, ne manquant de rien. Dieu te rendra mature et tu ne manqueras de rien. Faveur dans tout domaine, faveur à tous égards. Tu deviendras l'envie dans ta génération. Ils n'ont pas connu ton affliction, mais ils verront ta faveur dans tout domaine, à tous égards. Le Seigneur t'établira. Tu seras comme un arbre planté au bord de la rivière. La tempête ne te fera pas tomber. Les arbres sont poussés, coupés et ils tombent. Mais je déclare que la tempête ne te fera pas tomber. La tempête ne te détruira pas, mais tu seras fortifié. Le Seigneur te fortifiera et tu seras établi. David a dit, s'il y a un homme qui peut m'emmener la peau de tête de 100 philistins, il deviendra général dans mon armée, il aura ceci, il aura cela. Et Joab est allé et il a emmené le scalp de 100 philistins. Et de la même façon ce matin, je prophétise dans ta vie ce matin que le Dieu, si David peut établir cet homme, Dieu t'établira. Dieu va se montrer grand, puissant dans ta vie au nom de Jésus. 1 Corinthiens 10, 13. Il n'y a pas de tentation qui ne vous soit commune, mais Dieu ne vous tentera pas, ne vous éprouvera pas au-delà de votre force. Mais avec toute épreuve, il vous donnera une voie pour échapper, afin que vous puissiez
la supporter. Tu n'es pas seul. Ce matin, je déclare que tu n'es pas seul. Ce que les gens pensaient qui allait t'enterrer deviendra ton marchepied. Je déclare aujourd'hui qu'à la fin de cette pandémie, tu deviendras un chef-d'œuvre. Tu deviendras un témoignage étonnant. Tu deviendras un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Tu seras porteur de gloire. Tu seras porteur de faveur. Tu seras porteur de prospérité. Tu seras porteur de bénédiction. Tu as traversé ta fournaise d'affliction, mais elle ne te laissera pas comme elle t'a trouvé. Tu deviendras une personne plus forte, une personne plus grande. Tu deviendras une terreur au royaume de Satan et une bénédiction à ta génération. Au nom de Jésus, l'affliction peut détruire la puissance de notre orgueil, afin que notre gloire et notre fierté ne soient que en ce que nous sommes en Jésus. 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Père, tout ce que nous avons traversé, que cela nous donne le cœur de Jésus, l'humilité de Christ, afin que nous soyons comme Christ, que nous vivions comme Christ, afin que nous soyons trouvés en lui, n'ayant pas notre justice, mais ta justice, ô Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toute personne connectée avec nous en cette gloire matinale, rends-nous comme Christ, donne-nous l'humilité dans le cœur, enseigne-nous à apprendre à être les personnes que tu dis que nous sommes, Seigneur. Apprends-nous à être humbles. L'affliction t'amène également à apprécier les autres personnes. Père, toute personne que nous devons toucher par ta parole, ouvre nos yeux afin que nous les voyons. Ouvre nos oreilles afin que nous les entendions. Ô Seigneur, donne-nous un cœur de compassion, car c'est en bénissant que nous sommes bénis. C'est en touchant les autres vies que nous aussi nous sommes touchés. C'est en nourrissant ceux qui sont affamés que nous sommes nourris. C'est en donnant à boire aux autres qu'on nous donnera aussi à boire quand on a soif. Dieu m'a enseigné, il m'a montré. Une fois, c'était une expérience qui m'a beaucoup touché. Dieu m'a dit, à cause de ce que tu as fait pour toutes ces veuves, lorsque tu leur donnes la nourriture et des vêtements, tu ne sais même pas. Premièrement, toutes les générations de ta famille ne seront jamais, jamais nues. Et il a dit, deuxièmement, tu as touché une partie de mon cœur. Et il y a certaines de ces femmes, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu ces femmes qui étaient debout devant la présence du Seigneur comme criant et priant à Dieu, disant, « Oh Dieu, cet homme nous a délivrés de l'embarras et de la honte. Fasse qu'il n'expérimente jamais l'embarras ni la honte. Ouvre un niveau de grâce qu'il n'a jamais connu. Ce matin, toutes les personnes qui n'ont jamais su que le Seigneur t'a utilisé pour que tu les touches dans leur affliction, mais parce que tu les as touchés, parce que tu as étendu ta main vers eux, parce que, puisqu'ils sont venus, tu as amené la joie dans leur vie, la célébration dans leur vie. Cette verge de l'affliction est brisée dans ta vie au nom de Jésus. De même que tu l'as brisée dans la vie d'une autre personne, elle est également brisée dans ta vie. Tu ne connaîtras que la joie, tu ne connaîtras que la paix, tu ne connaîtras que la promotion. Et toute personne qui lance des flèches pour ramener l'affliction, toute personne, le ciel se rappelle de la semence que tu as posée, le ciel se rappelle de ce que tu as traversé, et il te donnera un témoignage hors du commun. Prépare-toi à louer le Seigneur. Prépare-toi à marcher dans le témoignage de Jésus-Christ. Prépare-toi à voir la main du Seigneur telle que tu ne l'as jamais vue auparavant. L'affliction nous enseigne également à dépendre totalement de Dieu. Quand un homme n'a pas vu l'affliction, il marche comme s'il était Dieu lui-même. Mais c'est seulement quand il a traversé la maladie et quelqu'un qui est prêt à
de rendre son souffle, et c'est là qu'il réalise que sans Dieu, il n'est rien. Retourne-toi vers moi, ô mon Dieu, et aie pitié de moi, car je suis affligé et malheureux. Père, nous dépendons de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Que cette affliction rende nos cœurs humbles. Enseigne-nous à tourner les yeux vers toi. Quand nous sommes bénis, que nous ne pensons pas que c'est notre force. Quand nous avons la prospérité, que nous ne pensions pas que c'est notre capacité. Mais donne-nous l'humilité. Apprends-nous à recevoir et célébrer ta grâce et ta bonté. Et je déclare aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, tes yeux seront fixés sur Dieu. Les tempêtes que tu as connues et que tu as traversées ne vont pas te détruire. Je déclare aujourd'hui que tu es sous l'abri du Seigneur. Vous savez, quand il y a une tempête, qu'il y a des tonnerres, tu cherches un abri. De la même façon, en cette saison d'affliction, alors que tu cherches, tu prends ton abri dans le Seigneur, que le Seigneur essuie tes larmes, qu'il te fasse rire. Ce qui semble être une montagne aujourd'hui deviendra ce sur quoi tu marcheras. Tu te tiendras debout dessus et ce sera en dessous de toi et ce ne sera pas au-dessus de toi. Je déclare cette affliction qui a l'air d'être une montagne aujourd'hui. Tu te mettras debout sur elle et elle ne sera pas sur toi, mais tu seras debout sur elle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'affliction souvent permet à Dieu de révéler combien de fois il est puissant et grand dans ta vie. 2 Corinthiens 5:9. Et il me dit, ma grâce est suffisante pour toi, car ma grâce est perfectionnée dans ta faiblesse. Et donc, je me glorifierai plus dans mes infirmités afin que la puissance de Christ repose sur moi. Comment les gens sauront-ils que j'ai un grand Dieu s'il n'y a pas quelque chose de si puissant que lui seul peut faire dans ma vie? Toute situation, toute bataille, que toute personne en cette gloire matinale et ce chant trouble tes pensées et le Satan l'utilise pour t'affliger et il te dit ce sera ta fin. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je prophétise que la fin sera la gloire, que ça terminera dans le témoignage, ça terminera dans la gloire et ça terminera dans le témoignage, ça terminera dans la gloire et ça terminera dans le témoignage, ça terminera dans la gloire et ça finira dans le témoignage, ça finira dans la gloire. Gloire, et ça finira par un témoignage dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui pensaient que tu ne t'en sortirais jamais, ceux qui s'attendent tout le temps à avoir de mauvaises nouvelles, mais la prochaine nouvelle qu'ils entendront de toi, ce sera l'élévation de Jésus. Ce sera l'élévation de Jésus. Ce sera Dieu magnifié dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. En cette saison de l'affliction, que la parole du Seigneur vienne à toi. Que la révélation dont tu as besoin pour la victoire vienne à toi. Psaume 119, verset 71. Il a été bon pour moi d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, 71. Il était bon pour moi d'être affligé afin que j'apprenne tes statuts. Le psaume 119 est un passage différent. Il a 116 versets. Des fois, il dit parole, des fois, il dit statut, des fois, il dit commandement. Il utilise différents mots, mais dans les 176 versets, 174 de ces versets décrivent la Bible. Donc, il dit, il a été bon pour moi d'être affligé afin que je connaisse la Bible, afin que je connaisse la parole de Dieu, afin que je connaisse la pensée de Dieu pour cette situation. En cette saison, le conseil des hommes échouera, l'opinion des hommes échouera. Ceux qui ont dit que ça ne va pas marcher, les conseillers, les avocats, les comptables ont dit que ça ne marchera pas, mais le ciel se lèvera pour toi. La parole de Dieu prendra vie en toi. Le rhéma de la parole de Dieu prendra vie en toi. La parole de Dieu telle qu'elle est écrite est le logos, qui est la parole. Mais
le réma, c'est quand elle prend vie, quand elle devient en vie, quand un verset est illuminé et devient quelque chose sur lequel tu auquel tu t'appuies, tu t'accroches et tu dis, Dieu m'a parlé par ce passage, il ne peut pas mentir, ainsi soit-il. L'affliction que tu as traversée va révéler le réma pour cette situation dans ta vie. Tu sortiras plus fort, tu sortiras meilleur, tu sortiras puissant, tu sortiras dans la réussite, tu sortiras avec le témoignage au nom de Jésus. Et prépare-toi, l'affliction produira un réconfort surnaturel, le type de réconfort que rien d'autre ne peut donner. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4. J'aime ce passage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. 4 fois, je le lis une seconde fois. Il nous console dans nos tribulations, afin que nous puissions consoler ceux qui ont des problèmes par la consolation dont nous sommes consolés. Qui est l'homme qui dit que tu ne connaîtras que la détresse, mais tu connaîtras le type de réconfort, de consolation que tu ne peux pas expliquer. Une paix surnaturelle, un réconfort surnaturel. Réconfort ou consolation ici veut dire Dieu qui te donne la paix et qui te rend heureux. Il pensait avoir volé, mais Dieu te donnera 10 fois. Dieu te donnera 10 pour ceux qui ont volé, 20 pour ceux qui ont volé. Prépare-toi, reçois-le. Un réconfort surnaturel. Un réconfort surnaturel. Après tout ce que tu as traversé. Après tout ce que tu as traversé, après toutes les afflictions de Joseph, Dieu l'a élevé en une journée. Il est devenu la deuxième personne dans un empire. Préparez-vous. Le ciel va t'élever au-delà de toute imagination. Ce matin, Seigneur, nous nous tenons debout dans la prière pour tous ces hommes et ces femmes qui servent en cette période de cette pandémie du coronavirus et nous déclarons la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence d'être dans leur vie. Nous traçons une limite avec le sang de Jésus, hommes et femmes, dans tout domaine de service, ceux qui sont en premier rang, comme une grande armée qui défie et qui remporte la victoire sur cette maladie qui est sur notre planète. Maudissons coronavirus, nous maudissons tes racines de partout où tu es venu. Nous te commandons de faire bagage et de partir. Nous brisons ta main qui est sur nos vies, sur notre planète, sur nos systèmes. Toi, fléau maléfique de l'enfer, tes armes sont brisées, ta saison est à sa fin, ton temps est à sa fin au nom de Jésus. Nous prions pour les enfants de Dieu qui traversent cette période de cette pandémie du coronavirus et nous déclarons la paix dans votre corps, la guérison dans votre corps, la paix dans votre corps, la guérison dans votre corps. Recevez votre guérison. Sortez de ce lit où vous êtes couché comme malade. Sortez au nom de Jésus. Je brise la puissance de cette chose. Je commande ta santé aujourd'hui. Tu témoigneras des œuvres de la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Toute flèche des ténèbres qui agit pendant cette pandémie du coronavirus, nous les maudissons. Que les miracles, les témoignages se manifestent pour le peuple de Dieu. Écoutez la parole du Seigneur. Je commande à ton corps de reprendre vie. Sors de ce lit où tu es allongé comme malade. Sors, lève-toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu seras un témoignage à la gloire du Seigneur. Cette affliction passera.
passera. Cette affliction passera. Cette affliction passera au nom de Jésus. L'affliction nous montre également la réalité de la grâce de Dieu dans notre vie. Ce matin, je déclare et décrète dans ta vie que la grâce de Dieu sera si grande, les gens la verront et les gens témoigneront que tu es un porteur de la grâce, que tu es porteur de la faveur. L'affliction nous rend aussi reconnaissants pour ce que Dieu fait pour nous. Psaume 50, 15. Et invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que notre appel, le fait que nous t'avons invoqué n'a pas été en vain. Les témoignages éclateront dans nos vies. Que ton peuple reçoive de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Alors que tu as invoqué le Seigneur en cette saison de l'affliction, le Seigneur te délivre et tu loueras le Seigneur. Toute la gloire reviendra à Jésus. Nous n'allons pas glorifier les médecins, nous n'allons pas glorifier les hommes. Nous les apprécions et nous remercions Dieu pour la grâce qui est sur leur vie. Mais la victoire t'accompagnera, le témoignage t'accompagnera, la main du Seigneur sera grande dans ta vie et tu ne seras plus jamais la même personne. Vous qui nous suivez sur Instagram, nous allons mettre fin à notre transmission afin que vous puissiez la recevoir plus tard. Nous bénissons Dieu pour votre vie, nous remercions Dieu pour la parole et nous rendons toute gloire à Dieu. Nous déclarons encore une fois que l'affliction ne se relèvera pas une deuxième fois. L'affliction ne se relèvera pas une deuxième fois. Ce matin, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, la louange, nous te remercions parce que notre temps en ta présence a amené la victoire à ton peuple et le témoignage pour ton peuple. Nous fermons toute porte de l'affliction et nous ouvrons les portes de la faveur. Bienvenue en cette nouvelle semaine, une semaine de célébration, une semaine de victoire. Tu t'élèves au-dessous de toute affliction. Tout ce qui est venu contre toi va se prosterner devant toi. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. On se voit demain matin à 6 heures. Ce sera grand, ce sera puissant, votre vie ne sera plus la même. Rappelez-vous, mercredi, nous sommes là le matin, mais le soir, le mercredi, nous avons l'étude biblique, l'Apocalypse révélée. Ce sera absolument merveilleux. Et le vendredi à 19h30, www en sigle anglais, quand les femmes attendent. Que Dieu vous bénisse, restez bénis, soyez en sécurité, que Dieu vous bénisse.